j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose un haul nouveauté make-up des sites Sephora, Kul Beauty et Sydney Grace. Si vous arrivez sur ma chaîne par le biais de cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle make-up mais sans se prendre au sérieux. Je vais commencer par vous parler d'une palette qui me fait de l'œil depuis un petit moment, surtout depuis que je l'ai vue sur la chaîne de It's Charlotte Time de Charlotte. Et la palette, c'est celle-ci. C'est en fait une palette que vous trouvez sur le site américain de Sydney Grace et c'est une palette qui a été faite en collaboration avec Mel Thompson. Mel Thompson, c'est une youtubeuse américaine américaine ou anglaise, que je suivais, qui malheureusement est décédée. Je pense que vous la connaissez peut-être. C'est une personne qui avait plein de tatouages très colorés sur la peau et qui faisait de très beaux make-up sur YouTube. Là, je la connais pas plus que ça. Mais en tout cas, cette palette a été faite en collaboration avec Mel Thompson. Le packaging, comme vous le voyez, en fait, est très coloré et très graphique. Et c'est inspiré donc des tatouages qu'elle avait, elle, sur la peau. Ce n'est pas pour ça que j'ai acheté la palette. C'est parce que je n'en ai entendu que du bien. Ça faisait un petit moment que je la ziotais. C'est une palette qui est souvent out of stock. Alors en ce moment, elle est en stock sur le site de Sydney Grace. Vous allez comprendre, mais il faut être vraiment make-up addict pour commander cette palette parce que elle peut vous revenir très cher. Mais ça, on va en parler après. Parce qu'il y a une petite story time autour de cette palette. D'ailleurs, vous allez voir, il y a un fard qui est cassé et c'est ça qui fait partie aussi de la story time de la palette. C'est une palette composée de 15 fards et chaque fard fait 2 grammes. Donc c'est pour ça que je ne suis pas trop triste. J'ai un fard qui est cassé. Donc si vous voyez ici la palette, elle se présente comme ceci. J'ai un fard qui est cassé, je pense que vous le voyez ici. Chaque panne fait 2 grammes, donc il y a quand même pas mal de matière. Même si ce panne là est un petit peu cassé, bon, ça va être un mal pour un bien, je vais vous expliquer après. Voilà comment elle se présente au niveau des teintes et je vais faire des swatchs parce que je ne l'ai pas encore swatché, donc je vais vous montrer ça. Bon bah j'ai compris pourquoi tout le monde se rue sur cette palette. Les lumineux sont hors concours, hein. Là c'est juste un passage, les mattes ont l'air très bons aussi. Les couleurs sont franchement très très belles. Ce lumineux ici là, il est vraiment magnifique. J'essaye de bien vous les montrer. Ça se swatch vraiment merveilleusement bien, les fards sont hyper crémeux et en un passage, voilà, au niveau des lumineux, un passage pour avoir cette intensité là. Les mattes c'est pareil, je lui fais un passage aussi. C'est vraiment une palette magnifique en effet. Par contre, si vous avez envie de cette palette, il faudra d'une, mettre la main à votre porte-monnaie et de deux, être patiente. Je m'explique. La palette sur le site de Sydney Grace est donc à 52$. En soi, ça va, c'est pas cher pour une palette de cette qualité. 52$, ça fait, je vous mettrai la conversion en euros. Les frais d'envoi, donc ça vient des États-Unis, hein, c'est sûr, c'est pas à côté. Les frais d'envoi sont de 24$. Là, ça commence à faire mal. Et il y a en plus une taxe qui vient s'ajouter. Une taxe liée à l'achat, hein, pas des frais de douane. Hein. Attention, les frais de douane, on n'y est pas encore, ça va être après. Il y a donc une taxe qui vient s'ajouter de 7,60€. Rien qu'une fois dans votre panier, et pour l'envoi, la palette, elle m'a coûté 83,60€. Je suis en dollars, je vous ai parlé d'euros, c'est des dollars. Donc 83,60€, ce qui fait en euros, je vous le mets là. Et site américain, je pense que vous l'aurez compris, risque en plus de tout ça de frais de douane. Ça n'a pas loupé. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris avec ce site-là, j'avais regardé quand même des vidéos, c'est quand même assez fréquent. Et donc, bingo, la factrice sonne, vous avez des frais de douane. Combien de frais de douane? Allez, je vous laisse, donnez-moi un chiffre. Bon, c'est acceptable, mais quand même, quoi. J'ai eu pour 17€ en plus de frais de douane. Donc, la palette m'est revenue à 83,60€ plus 17€ de frais de douane. Certes, c'est une très belle palette, je ne regrette pas mon achat. Mais j'ai passé commande sur le site le 1er avril et elle est arrivée le 21. Donc autant vous dire que c'est quand même, bon, je sais que c'est au state, mais quand même, ça fait un peu long. Surtout avec des frais d'envoi de 24$, vous vous dites, bon, j'ai payé 24$ de frais d'envoi, ça va peut-être quand même arriver dans des temps raisonnables. Non, ça a mis 3 semaines. Alors je sais pas ce qui s'est passé sur le tracking, inquiète, je me dis elle va jamais arriver, mon adresse n'a pas été correctement enregistrée, je l'ai vu arriver à Francfort, je l'ai vu arriver à Tallinn, en Lituanie, Estonie, enfin Lituanie, bref, un truc comme ça, je me suis dit mais qu'est-ce que, mais où va ma palette quoi, c'est marqué France dessus, c'est quoi leur envoi quoi. Donc la palette a fait un parcours pas possible pour arriver jusqu'à moi et elle est arrivée, bah, comme vous l'avez vu, cassée. Alors ça m'étonne pas parce qu'avec un trajet pareil, je vous dis pas le nombre de fois où le colis a dû être balancé dans les camions.
Elle est arrivée pétée, c'était un peu prévisible, j'ai envie de vous dire. Donc bah, il n'y a pas mort d'homme, hein, mais voilà, déçue quand même, quoi, parce qu'il était hors de question que je renvoie la palette, que j'attende qu'on m'en retourne une autre. J'allais pas partir dans un délire comme ça pour une palette. Donc tout de suite, je prends des photos, bien sûr. J'envoie un mail sur le site de Sydney Grace, j'envoie le mail hier vers midi, et en plus j'envoie sur Instagram les photos, parce que je pouvais pas les envoyer sur le mail. Donc j'envoie les photos de la palette cassée. Dans la soirée, rien, toujours rien, je me dis... Là, j'étais colère quand même, parce que je me dis, pourrait quand même au moins répondre, quoi. La palette a mis 20 jours pour arriver, en plus, elle est cassée. Au bout de 24 heures, pas de réponse. Voilà, enfin, moi, je suis assez impatiente et ça m'énervait un petit peu, quoi. Mais tout finit bien. J'ai reçu un mail ce midi où ils m'ont dit, en fait, qu'ils allaient me rembourser la palette. J'attends de recevoir le paiement, mais si ça se passe comme ça, c'est très bien, parce qu'au final, la palette, bon, ils vont pas me rembourser les frais de douane. La palette, elle m'aura coûté que 17 euros s'ils me remboursent la palette. Pour un fer cassé, j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien, ça se termine vraiment bien. Voilà donc pour la story time de cette palette. Alors je pense pas que je vous ferai un look en vidéo avec parce qu'elle est très jolie, hein. C'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais elle est pas très accessible, donc voilà, j'ai pas envie de vous faire un look avec une palette qui est voilà, qui va peut-être vous donner envie et qui est quand même assez peu accessible et quand même assez onéreuse. Vous cassez un petit fard à l'arrivée et puis bon j'ai rien dit. Bon, j'étais pas contente hein, que ma palette soit arrivée avec un fard cassé, mais là au final bon. Je m'en tire quand même pas mal. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie qu'on fasse un look avec cette palette, bien qu'elle ne soit pas très accessible. On va maintenant passer à mes achats chez Sephora. Je me suis acheté cette crème bronzante de Rare Beauty, donc c'est la Warm Wishes Effortless Bronzer Stick. C'est en fait un bronzer stick crème. Il fait 7 grammes, il coûte 26 euros en prix plein sur le site de Sephora. Alors il a été un petit moment out of stock, mais bon il est revenu et du coup je l'ai pris en teinte Happy Sol. Et sur le site de Sephora, vous avez en tout 5 teintes. Le produit se présente comme ceci. Donc c'est un stick crème, je vais vous faire un swatch. La couleur m'a l'air bien, j'ai envie de dire ni trop froide, ni trop chaude et je pense qu'une fois estompée... Ça ira bien à ma carnation. Donc ça, c'est la couleur Happy Sol. Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté des fonds de teint que j'ai achetés en fait pour faire des bronzers en stick chez Action, donc des fonds de teint foncés. J'ai envie de vous faire une comparaison vite fait pour vous et pour moi, j'ai envie de voir. Je vais juste comparer vite fait avec ce fond de teint en stick de la marque Max Factory que j'ai acheté chez Action. Là, c'est la teinte Chestnut. Là, c'est le bronzer de chez Action. Bon, là, c'est celui de Rare Beauty. Alors, rien à voir au niveau de la teinte. Là, c'est le produit Rare Beauty. Là, c'est le produit Action. Pas grand chose à voir en réalité. Le produit Action est plus gras, mais j'ai l'impression comme ça au swatch qui, à la rigueur, il va mieux tenir sur la peau. Parce que le produit de Rare Beauty, je le swatch et déjà tout de suite, il glisse quoi. Il va être beaucoup moins. Il va être moins impactant. Bon voilà, je voulais juste vous faire la comparaison. Donc hâte de tester ce bronzer Rare Beauty. Je pense qu'il va être assez léger en fait quand je le blende sur ma main. Il part très vite, donc je pense qu'il va bien se fondre à la carnation et que j'aurai pas de soucis pour le blender parce qu'il se, voilà, il se diffuse déjà bien quand on le diffuse sur la main. Il n'y a aucun problème. Ils indiquent de l'estomper au doigt, au pinceau ou à l'éponge. Et ils indiquent aussi qu'on peut l'appliquer sur les paupières. Effectivement, ça peut être une option pour l'appliquer en creux de paupières à tester. J'ai pris également un blush crème en stick de chez Rare Beauty. Sur le site de Sephora, je l'ai pris en teinte Rebelle Red. Il y a 5 teintes en fait sur le site de Sephora. Il y a 5 grammes de produit et il coûte 25 euros. Donc ce sont les Cheeky Tint Blush Stick. Le packaging est plutôt sympa. Ça se présente comme ça. Voilà ce que donne la teinte Red Rebelle Red au swatch. Ils indiquent qu'on peut l'appliquer directement sur les joues et estomper au doigt pour un fini naturel. Et qu'on peut l'appliquer au pinceau pour un fini plus intense. On peut également l'appliquer sur les lèvres pour un look monochrome. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir un produit multifonction. On va maintenant passer aux nouveautés que j'ai achetées chez Cult Beauty. Là, j'ai un petit peu plus craqué. Cult Beauty, c'est un site britannique, mais vous n'avez pas de frais de douane, hein, je tiens à le préciser. Et c'est un site qui est très intéressant, parce qu'il y a pas mal de marques qu'on ne trouve pas forcément sur d'autres sites. J'ai donc pris un deuxième blush crème de Huda Beauty, cette fois-ci en teinte Body Berry. Donc là, sur le site de Cult Beauty, il est vendu à 25 euros. Il y avait 3 teintes, par contre, il n'y avait que 3 teintes de disponibles. Et voilà ce que ça donne à côté de l'autre. C'est un mauve prune un petit peu. Voilà. Moi j'aime bien ce genre de teinte en blush. Je trouve que ça va bien quand vous faites un maquillage rose sur les yeux. Je trouve que ça va bien avec. C'est des blushs crémeux, moyennement pigmentés. J'ai envie de dire, la pigmentation est pas folle. Ils sont satinés en fait.
Ils sont beaux, j'en entends plutôt que des revues positives, donc j'ai eu envie de tester. Et c'est ce qu'on fera certainement dans ma prochaine vidéo pour un make-up test des produits du haul. Ensuite, mouton que je suis, j'ai pris le nouveau fond de teint de chez NARS Réfléchissant Lumière. C'est le Light Reflecting Foundation. Ce truc-là, il fait à moitié le buzz sur Internet. Toutes les revues que je vois dessus sont positives, voire ultra positives, donc j'ai quand même eu envie de tester. J'espère que je ne me suis pas gaufrée au niveau de la teinte. Je l'ai pris en teinte médium 1.2 Patagonia. Je n'ai jamais testé les fonds de teint NARS, donc c'était aussi l'occasion de tester. J'aime beaucoup le packaging, c'est un packaging en verre comme ça, avec un flacon pompe, franchement. C'est un fond de teint qui a l'air assez liquide, comme vous voyez, tout de suite, il coule. Alors effectivement, je ne sais pas si vous voyez sur ma main, mais c'est un fond de teint qui est effectivement lumineux. C'est pas du tout un fond de teint mat ou semi-mat, c'est un fond de teint lumineux, mais qui a quand même un fini, je trouve, assez naturel. Bon là, sur ma main, pour vous, ça va pas être très parlant au swatch, mais je peux vous dire que déjà là, je vois qu'il y a vraiment une belle couvrance. Je pense qu'il va bien unifier la peau. Il est assez prometteur. Et je pense que la teinte devrait aller. Il va légèrement oxyder peut-être, mais ce sera pas plus mal, parce que la teinte est quand même pas si foncée que ça. Vous voyez, par rapport à mon autre main, franchement, on voit tout de suite la différence, et c'est très joli. Même sur la main, déjà, le rendu est... On voit que le rendu est beau, il est lumineux, il est satiné, il y a une belle lumière qui se dégage. Il m'a l'air vraiment pas mal du tout, ce fond de teint. Bienvenue sur la chaîne de Mathilde Mava, dans la vraie vie, hein, il y a mes faux ongles, vous voyez, ils se décollent. J'ai mis des faux ongles hier, ils se décollent, ils n'arrêtent pas de se décoller un à un. Je vais être obligée de les enlever, je me disais, ils vont tenir au moins jusqu'à la vidéo, mais je crois même pas en fait. Les Kiss Impress, ils sont très bien, mais ceux-là justement, c'est pas les Kiss Impress, c'est les autres, c'est juste les Kiss. Ils ont pas le petit patch autocollant intégré, le patch autocollant est à part, ils tiennent vraiment pas bien quoi. Mais les Kiss Impress, eux, avec le petit autocollant intégré, ils tiennent vraiment très très bien, ça n'a rien à voir. Moi les Kiss Impress, je les achète sur le site Pop My Nails. Je vous fais une petite parenthèse ongles au passage, ils sont très bien, mais ne vous plantez pas, prenez bien les Kiss Impress. Bref, on ferme la parenthèse. Revenons à nos moutons, donc concernant ce fond de teint. Il y avait donc 21 teintes sur Cult Beauty, il y a 34 teintes sur le site de Sephora. Et il y a 36 teintes sur le site de NARS, donc je pense qu'en tout il y a 36 teintes. C'est un mélange de maquillage et de soins, il se veut lumineux et léger comme l'air. Alors c'est un petit peu la première impression que j'ai effectivement en swatchant sur ma main. Il est censé lisser l'apparence des pores, il aide à dissimuler les taches brunes et les rougeurs. Il améliore la luminosité du teint en 6 semaines, donc il y a un côté soin aussi dans ce fond de teint. Il aide à se protéger de la lumière bleue. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça sur un fond de teint. Il convient à tout type de peau et il a une couvrance moyenne à modulable au fini naturel. Donc de ce que j'en vois pour l'instant, je suis tout à fait d'accord avec la description. Ça, je peux vous dire qu'on testera en vidéo, c'est sûr, parce qu'il a l'air vraiment très très beau. De toute façon, je pense que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo make-up avec le maquillage que je vous présente ici. J'ai encore fait mon mouton ici en achetant ce concealer de chez Benefit. C'est un concealer qui se veut léger, lumineux et hydratant avec une couvrance légère à moyenne. Pareil, j'en ai vu vraiment des revues très positives. Donc voilà comment il se présente. J'aime beaucoup le packaging. Imitation gomme de crayon à papier. Je trouve que le packaging est très sympa. Comme je vous disais, j'ai pris la teinte Cantaloupe. Il y a 12 teintes sur le site de Cult Beauty. Voilà ce que ça donne au swatch pour la teinte Cantaloupe. Donc il y a 5 ml de produit. Il est vendu 24,30€ sur le site de Cult Beauty. Et je crois qu'il est un petit peu plus cher sur le site de Sephora. Je sais pas si c'est pas 26. Donc bah ça, pareil, à tester en dessous d'œil. On va finir avec deux nouveautés de la marque Charlotte Tilbury. C'est assez rare que je prenne des produits Charlotte Tilbury parce que je sais pas pourquoi, mais ça me déchire le slip d'acheter les produits Charlotte Tilbury. Pourtant, je mets des fortunes dans les palettes, mais Charlotte Tilbury, je sais pas, j'ai toujours du mal à mettre du prix dedans. Pourtant, c'est une belle marque, y a rien à dire. Ça va peut-être évoluer. J'essaye maintenant d'acheter un petit peu moins de palettes pour les yeux parce que j'ai que deux paupières et j'ai plus de 100 palettes. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous refasse une vidéo avec ma collection de palettes. Vous me direz ça en commentaire. J'ai donc pris le blush crème éclat pour les joues et les lèvres. C'est le Charlotte Tilbury Pillow Talk Lip and Cheek. Il existe en deux teintes. Moi, j'ai pris la teinte Color of Dream. Le packaging est vraiment très très joli. Bon, il y a un petit peu un effet miroir. C'est pas facile à vous montrer à la caméra, mais le packaging est vraiment chouette. Voilà comment ça se présente, c'est un beau produit, il y a un petit miroir également. Il y a 2,5 g de produit, quand je vous dis que ça déchire un petit peu le porte-monnaie, ça coûte quand même 33,90€. J'ai hésité à prendre ce produit parce que je ne suis pas forcément fan des produits qui font joues et lèvres, et je ne suis pas forcément fan non plus des produits dans lesquels on met ses mains dedans. J'ai eu envie de tester la nouveauté, pour vous comme pour moi.
C'est très en transparence, ça va être quelque chose de très discret, rien du tout. Voilà ce que ça donne au swatch. Franchement, au swatch, c'est vraiment très très, comme je vous dis, transparent. C'est vraiment pour un effet très discret et naturel. Mais ce qui est très bien aussi. Pour cette couleur, ils indiquent que c'est un rose pétale aux nuances dorées. Je ne vois pas de nuances dorées, Charlotte, excuse-moi. Où sont les nuances dorées? Putain de faux ongles de merde, je peux même pas ouvrir... Oh putain. Je peux même pas ouvrir un truc avec ces ongles là. Est-ce que vous voyez, vous, là-dedans, des nuances dorées? Alors, c'est peut-être dans l'autre couleur, je sais pas, je me suis trompée. Bref, ils indiquent que c'est une texture transparente. Oui, effectivement, c'est quand même bien transparent. Avec un effet scintillant, il y a du mica soyeux et de la cire d'abeille. Voilà, un côté plus hydratant. Nous testerons ça en vidéo, ce sera peut-être plus parlant. Bah voilà. Pour finir, dernier produit, j'ai pris l'enlumineur Charlotte Tilbury Pillow Talk Multiglow. Donc c'est une édition limitée. Il y a là aussi deux teintes. Les packagings sont vraiment très jolis. J'ai pris la teinte la plus claire des deux parce que j'ai regardé quand même quelques revues et j'ai vu que la teinte la plus claire des deux, elle était déjà quand même bonne petite teinte et elle était moins claire à l'utilisation que le rendu en caméra. Donc je me suis dit que la teinte la plus claire allait suffire. Et voilà comment se présente l'enlumineur. Le packaging est réellement très joli. Il y a du mica soyeux à l'intérieur, de l'huile émolliente pour un fini doux. Et ils indiquent des perles fines sans paillettes. Donc là, c'est la teinte Romance Light. Donc il y a des nuances froides. Et je vous mettrai ici au visuel l'autre teinte. L'autre teinte, c'est Dream Light avec des nuances plus chaudes et peut-être légèrement plus pêches. Mais on va faire un petit swatch pour déjà voir ça sur la main. J'ai mélangé les quatre teintes, voilà ce que ça donne sur mon doigt. Je suis en pleine lumière là, j'ai du mal à vous montrer. Vous voyez quand même, c'est assez rosé, la poudre est fine, hein. On voit que c'est, voilà, c'est fin, c'est satiné. Il n'y a pas de gros chunk de paillettes, il n'y a pas d'effet pailleté, hein. Il y a juste un effet rosé satiné qui est très joli. Il y a vraiment plusieurs nuances et en utilisant chaque teinte séparément, ben, franchement je pense qu'on peut obtenir vraiment quelque chose de très sympa. Soit tout mélangé, soit chaque teinte séparément. Il y a 7 grammes de produit et il est vendu sur le site de Cult Beauty à 39,55€. Mon petit haul nouveauté est terminé. J'espère très sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. N'oubliez pas, si tel est le cas, de me laisser un petit like, un petit thumbs up. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines aventures make-up. J'ai eu plaisir de tourner cette vidéo pour vous et j'ai vraiment très hâte de tester tous ces produits pour vous dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, à très très vite. Bye.